Salut à tous les amis, alors aujourd'hui petite vidéo d'un exo vraiment pas facile. Donc on est sur un rythme en triple croche. Donc les débutants, j'ai envie de vous dire, abstenez-vous. À moins que vous le travaillez très lentement, d'accord. Rythme en triple croche, sans voix, faut y aller quoi, vraiment. Donc vous pouvez, mais travaillez-le vraiment ultra lentement, d'accord. On va dire que ce style de rythme et de break s'adresse plutôt aux batteurs avec un niveau assez avancé. Alors au niveau du rythme, voilà, j'ai fait ce qui me semblait bon être en lien avec ce type de fil. Pour le fil en question, donc on est sur un rythme en triple croche, donc on commence, regardez. On commence par un coup droit sur la caisse claire, ok, en accent. Un petit gauche-gauche en grosse note, une grosse caisse. Le charleston en accent. On droite également, les gauchers bien évidemment, vous inversez tous les doigtés. Ok, il n'y a pas de souci, on commence juste par la gauche pour les gauchers. Ensuite, donc après l'accent charlé du droit, nous passons toujours sur gauche-gauche, caisse claire en grosse note, on refait un coup de pique. Et là, on va faire trois accents de suite, d'accord, de tom aigu ou tom médium et un coup de caisse claire. Boum, boum, pas. Ok, ensuite, on repart sur deux coups de gauche en grosse note. Ensuite, kick de nouveau, tom basse sur l'accent qui suit du coup droit. De nouveau, deux ghost notes de la main gauche. Encore un kick. On repart sur le charleston en accent. D'accord, pour la main droite toujours. Ainsi que de nouveau, gauche-gauche en ghost note. On repart sur un kick. D'accord, jusque-là, vous suivez. Et on arrive sur les trois accents de la fin sur le tom médium ou tom aigu. Voilà. On repart sur gauche-gauche en ghost note. Une grosse caisse, donc le kick. Et un accent, le dernier accent, sur le tom basse, gauche-gauche, kick, et on repart sur le rythme. Sachant que nous repartons sur le rythme, vous voyez, on finit avec une grosse caisse, on finit avec un kick, donc forcément pour attaquer le rythme, il faut donner deux doubles coups de grosse caisse. Fin du fil et le début de la première mesure de votre rythme. Voilà. Le rythme, l'idéal c'est vraiment d'enchaîner rythme, voilà, rythme, vraiment, c'est l'idéal. Prenez un rythme plus simple, focalisez-vous. Non pas sur le rythme que moi je vous ai montré, mais sur ce fil, d'accord. Trouvez un petit rythme simple au départ, et quand vous maîtriserez plus ou moins cet exercice, vous travaillerez votre rythme petit à petit, d'accord. Concentrez-vous d'abord là-dessus, partez tout doucement, 25-30 battements minute, pas plus, on est en triple croche. Limite au début, comme d'habitude, sans métronome. Vous décomposez tout. Si je décompose tout, regardez ce que ça donne. L'idée c'est de le bosser comme ça, vraiment, voilà, là j'étais limite peut-être même un peu trop vite pour les novices, donc vous y allez vraiment tranquille, on décompose tout, pas, ok, première étape, ensuite la suite, on enchaîne, voilà, jusqu'à temps que vous le mémorisiez correctement, et vous verrez déjà à partir du moment où vous êtes plus obligé de regarder votre écran, ou votre feuille si vous l'imprimez ou qu'une caisse, déjà, une fois qu'il est là, déjà c'est bon signe, et après vous travaillez la vitesse petit à petit. Mais n'essayez surtout pas de faire ça hyper rapide dès le début, c'est la cata assurée, je vous l'ai déjà dit. D'accord ? Donc prenez votre temps, je vous souhaite bon courage pour le travail de ce petit exercice qui va vous demander quelques heures éventuellement de travail pour vraiment le passer comme vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis bien évidemment à bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye.